Et salut à tous! Donc, on se retrouve pour une petite vidéo invocation sur Bleach Brave Souls, bien sûr, sur la loterie Succession, donc avec le Rukia, la Rukia Cap et l'Ichigo Dad. Donc voilà, on en est là. On finira éventuellement en apothéose avec la loterie, avec le personnage garanti. Là, il y a la petite loterie, le petit tirage gratuit à faire. Est-ce qu'on va s'arrêter jusqu'au palier 5 pour le plaisir d'invocation? Peut-être. Après, il y a la NIF qui arrive bientôt. C'est peut-être une bêtise de dépenser un peu, mais étant donné que dans tous les personnages, il manque uniquement il y a la Yashiro ici. Juste de ce côté-ci, hein, évidemment. Et puis, sinon, j'ai tout le reste en au moins un exemplaire. Est-ce que ça serait intéressant de monter les spé des différents personnages? Je ne sais pas trop. On va y aller au feeling. Je vais déjà faire la gratuite et puis on verra bien si jamais je vise un prochain palier ou non. Ok, repousse fort, repousse fort. Et bien la voici. Justement. Voilà, il y a la Yashiro, donc exceptionnelle. Et bien c'est cool. Et bien c'est très très cool. Du coup la voici. Et c'est un personnage résurrection. Donc ça fait hautement plaisir, bien sûr. Donc let's go. Bienvenue dans l'équipe Yashiro. Et donc c'est quand même plutôt cool. Alors là, que fait-on? Donc évidemment, c'est une new, hein, donc magnifique extraordinaire. Est-ce que comment est son modèle 3D? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais donc en écart, en réalité, pendant que je suis en train de laguer, c'est absolument exceptionnel. Allô le jeu? Compliqué hein, de lui demander d'afficher le personnage. Oh, en plus, elle est toute souriante. C'est exceptionnel. D'ailleurs, chose assez étonnante, elle est plus. Son modèle 3D, elle était limite mieux. Je la trouve plus jolie que sur son Smash Art. Ok, donc il n'y a pas de compétence particulière d'affaiblissement ou ne... que sais-je, temps de recharge. Ok. Donc là c'est très bien et comme je vous disais c'était la seule qui me manquait. Est-ce que ça vaut le coup potentiellement d'aller chercher une des unités qui sont en vedette puisque bah, obtenu et ici possédé donc ça veut dire que je l'ai déjà. Bon la médaille ce sera monté. Exactement, mais je pense pas que d'avoir un niveau de spé ou quoi sur les personnages ici, bon, certes, ça améliore le personnage, donc peut-être pourquoi pas l'améliorer au niveau des quêtes de groupe ou que sais-je. Mais je pense pas que ce soit nécessaire, donc je pense que ce qu'on va faire, c'est on va foncer dans la loterie gratuite sanglante, donc avec le tirage gratuit. Et puis tout simplement on va très certainement y aller. Je suis en train de regarder à nouveau les personnages vedettes. Ouais, non, je pense pas que ce soit nécessaire. Non. De toute façon, dans un peu moins de 2 mois, il y a l'anniversaire du jeu, donc potentiellement avec des unités qui sont extrêmement puissantes. Donc là, étant donné que c'est une redite d'une bannière, il y a potentiellement une autre bannière qui va arriver et puis tout casser. Donc je pense qu'on va se calmer un petit peu au niveau des invocations. On a tous les unités de cette bannière, donc on va se dire qu'on va s'en contenter. Et je crois que par rapport à la Rukia Cap,
qui peut être intéressante au niveau de la rotation Kadogo Espada. Je crois que j'ai débloqué son maximum de potentiel offensif. Je crois qu'elle est à minima de chez Manima SP2. Je crois qu'elle est SP3 chez moi. Donc en vrai, je pense que ce serait peut-être une erreur de dépenser des armes dans cette bannière. Donc on va juste faire la réduite ici. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on espère? On espère des new. Donc il y a notamment cet Ichigo qui. Oula, cet Uryu, pas du tout. Qui est assez intéressant, je crois, au niveau des drops de potions, de super potions. Ichigo, je le possède déjà. Bon, avoir des doublons du meilleur personnage du zoo, ça me dérangerait pas non plus. Mais en vrai, des new, un new, s'il vous plaît. Histoire de débloquer une autre possibilité. Que ce soit dans les tours, dans les quêtes de groupe ou que sais-je. Allez, c'est parti. Ok, j'augmente un petit peu le son pour essayer de deviner le perso. Ichigo. Oh, ok. Ok, bah super. Je crois que c'est un nous, donc bienvenue dans l'équipe. Ok, ouais, je crois que c'est totalement un new, donc let's go. Ah oui, c'est magnifique. Ah oui. Oh, mais let's go, quoi. Ok. Et okay, donc, Ichigo, un petit peu. On est sur la fin de l'arc du tout dernier arc du manga lorsqu'il est dans cette posture. Juste avant le combat final contre Iwatch. C'est exceptionnel, ok. Ok. Ok, il se transforme sur la Strong 2. Ça a le potentiel d'être prochainement un personnage résurrection en plus, donc c'est formidable. Donc du coup, on va faire un petit bilan, évidemment, des invocations qui va être extrêmement rapide, hein, bien sûr, parce que... Tout simplement, il n'y a eu que deux à nouveau 5 étoiles, mais c'est des new. Donc moi, c'est parfait, moi. Moi, je suis extrêmement content, alors que mon jeu est en train de péter les plombs et de décéder, mais ça, ce n'est pas un problème. Donc au niveau des personnages, oui, ne vous inquiétez pas de tout le reste. Donc on a eu Yaishiro et Ichigo. Donc exceptionnel, deux nouveaux personnages et potentiellement des personnages résurrection. Donc on va peut-être essayer de les améliorer un tant soit peu. Ok, ce sont des personnages niveau 5. Yashiro, je suis presque sûr qu'elle a déjà j'allais dire une percée, pas du tout. Une resurrection, donc. Donc on est extrêmement content. Je pense qu'aussi ce serait peut-être le moment d'utiliser personnages d'avènement, puisque étant donné qu'ils sont plus du tout utiles lors du renforcement de l'arbre de talent, le Soul Tree bien sûr. Non, l'arbre de l'âme, attention, c'est encore plus philosophique bien sûr. Bon, allez, on peut utiliser des cristaux moyens parce que ça fait grandement plaisir. Hop. Ok, on a récupéré un peu d'orbes, un petit stock, on fait des petits stocks, moi ça fait vraiment plaisir. Niveau de l'éveil, donc, que se passe-t-il par rapport à ce petit personnage? Intéressant, intéressant, intéressant. Je n'avais pas vu quel était son tueur. J'ai un petit peu trop vite en besogne là. Il n'y a pas de problème. Tueur d'Espada. Oh, ok, c'est très intriguant. Pourquoi pas en vrai? Je vais y donner les autres Yashiro. Comme ça, ce sera fait. Ok. Donc ici, de ce côté-ci.
On est donc rendu ici. Ok. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais monter 7 Ichigo. Présentement. Oula. Quoique. Je dis oula, mais est-ce que c'est vraiment. Ouais, pour libérer de la place ou quoi? En vrai, pourquoi pas, parce que j'ai l'impression que l'utilité des personnages à vêtements, c'est. Et c'est surtout pour avoir des personnages 5 étoiles. Et des fois, par exemple, il y avait un Kaname Tosson qui était nécessaire lors d'une des tours. Ça permet d'être complété tout ceci, mais. Tueur de Shigami, ok, c'est du classico d'El Madrido. Dire, mais bon, écoutez, pourquoi pas. C'est-à-dire que c'est potentiellement un personnage qui est, c'est-à-dire relativement simple d'utilisation, on va dire. Okay. J'ai même pas non plus regardé les compétences spéciales des personnages. Donc super. Super, j'ai envie de vous dire. Mais dis-moi que c'était des personnages en direction. Oh oui. Bon allez, vous savez quoi? On y va. On y va, on y va. Est-ce qu'on débloque Est-ce qu'on y va, on y va pas finalement? Allez, vous savez quoi? On va rester ici. On va rester ici. Je veux juste voir leur talent, voir à quoi ça ressemble. Spécial rapidité, ouais, d'accord. Hein. Ouais, c'est des personnages assez anciens, mine de rien. Mais bon, ça fait grandement plaisir tout de même. Résistance à la paralysie, à la faiblesse, intéressant. Soutien, ok, donc il va buffer les alliés lorsqu'il avec sa Strong 2. Bah écoutez, pourquoi pas. Bon bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter ici. Et puis voilà, très content des deux nouveaux persos. Honnêtement, deux nous, c'est exceptionnel. Ça fait pas mal d'orbes aussi également. Donc franchement, c'est extrêmement intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt.